Salut les amis, suivez-moi pour les actualités. Dans cette chaîne, on va parler sur pas mal de choses, le rap, la culture en général, le gaming. Alors je vais pas vous casser la tête trop, je vais vous laisser regarder la vidéo. Bon visionnage les amis. Rof affiche son soutien à Jean-Luc Mélenchon et appelle ses fans à voter pour lui. Demain aura lieu le premier tour des présidentielles de 2022. Si beaucoup de rappeurs préfèrent rester discrets sur leur choix politique, Rof assume le sien et appelle ses fans à voter pour Jean-Luc Mélenchon. En effet, le rappeur du 9-4 a publié hier sur ses différents réseaux sociaux, dans lesquels il appelle à voter pour le candidat Jean-Luc Mélenchon. Dylan Terry s'exprime pour sa défaite et défie encore Booba pour un match. Hier, Dylan Terry perdit sa combat devant son adversaire Benji Samat, dans la Palais des Sports à Marseille. L'influenceur est sorti de match avec un épaule déboîté, mais il donne l'entière responsabilité à sa blessure, car sans elle, il aurait remporté peut-être le match. Il confie encore que ça c'est pas une excuse, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais Dylan, il est encore chaud pour un match avec Booba et d'autres. Directement quoi. Ouais, on gêne même le jour J, Dieu passe avant tout. Putain! Vas-y, la serviette là-bas. Ouais, courage, 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 frérot. Courage, 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 mon ref. On a vraiment l'épaule déboîtée, frère. Alors, que pensez-vous, les amis? Dites-moi dans les commentaires et n'hésitez pas à liker et abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous, l'équipe. Et rendez-vous pour d'autres actualités.